Salut, donc pour utiliser les commandes Linux tout simplement pour accéder à tes cartes MicroPython, les outils les mieux c'est clairement c'est R-Shell. Avec ça tu fais un connect serial juste en dessous là. Une fois ça tu lances Ripple et ça t'ouvre le firmware. Et du coup ça te permet d'accéder à ton MicroPython et à charger tes trucs et à faire tes import pins par exemple. Pouch! Allumer ou éteindre tes LED, enfin bref, tu peux commencer à driver ton truc. Donc pour les installations des outils, justement, R-Shell, etc., tu trouveras ça directement sur mon GitLab en description de la vidéo, évidemment. Donc l'intérêt de toutes ces petites cartes là, alors ce modèle-là, c'est la TTG0, c'est qu'évidemment le firmware est directement inclus. Contrairement à la carte qui est présentée sur le repo Git que je te filerai en description, qui utilisait la carte Sparkfun, où là il a fallu que je charge le firmware à la main d'abord. Mais après, c'est juste une question en fonction de la carte que tu choisis, si tu es déjà en MicroPython ou pas. Tout simplement. Ciao!